Test, test. Salam, akhouti. J'espère que vous allez bien. Smihouli, bzaf, ça tout alaykoum, bien évidemment. Mais, abonnez-vous. Foukhadi, warkouhna. Malinesh. Le but de la vidéo aujourd'hui, c'est plutôt de. Comment dirais-je, partager avec vous ma passion. Je vais vous expliquer un peu les bénéfices de l'entraînement du kelb dans le bahar ou humain en général, en natation. Quels sont les bénéfices ou quels sont les inconvénients? En fait, pour la natation, il n'y a pas d'inconvénients. Mais qu'est-ce que c'est le biais? السباحة ديال الكلب في لونطريمون كاين غير الايجابيات. علاش؟ باسكو السباحة هي اللي كتخلي الكلب تكون عنده اون بون ماس موسكولار كيف كنقولوا. سا سي دان كوتي. الدوزيام كوتي سي كو سا مينيميز لي ديغا او نيفو دو لارتيكولاسيون. ولا كاع نقولوا ما كيبقاوش لي ديغا او نيفو دو لارتيكولاسيون. ما كيتاداش في المفاصل ديالو. Ou qu'il apprend en fait au chien de la bonne manière de marcher. Ça, c'est d'un point. Le bon mouvement, en fait. Il y a un qui a le mouvement, ça a fait le mouvement. Coordination des mouvements, Smith. Ça, c'est d'un côté. Le deuxième côté, le roi a l'âge avec la vie qui nous donne beaucoup de rame. Rame la neige fa. رحنا autant que une scène qui me choque une traînée au fur et à mesure. Pour nous c'est plus dur et c'est plus bénéfique que une traînée au goudron ou sur une autre surface. Du coup, ramener les chevaux, mon goût, il n'y a pas de risque pour l'articulation, mais ils sont minimes, faut quand même faire attention. Mais quand même, elle renforce la musculature du chien et elle renforce l'articulation, sauf qu'il faut faire attention à remettre la neige. Du coup, je suis blâmant pour aller comme bizarre. Je vous dis, ou là à mon petit a, forge à mon petit a, t'as là. On met une sauce. Le bouton abonné.